La famille, je suis une émigrée polonaise. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, mon grand-père maternel, qui était banquier, a organisé un convoi de la Croix-Rouge pour évacuer neuf familles juives de Pologne, dont la sienne. Ma mère, qui était toute jeune à l'époque, elle avait 11 ans, a ainsi passé la guerre comme réfugiée en Algérie. Et lorsque la famille est revenue en Pologne, mon grand-père se pend. Et juste après ma naissance, ma grand-mère meurt d'une surdose de cachet. Du côté de mon père, sa mère, donc ma grand-mère paternelle, était veuve déjà avant la guerre. Elle dirigeait l'entreprise familiale de lithographie pour faire des, des affiches de théâtre et, et, et des livres, euh, des herbiers. Pendant la guerre, elle combat l'occupation nazie dans l'armée clandestine AK. Du coup, mon père est enrôlé à 16 ans comme messager pendant l'insurrection de Varsovie. Après la guerre, l'entreprise familiale de lithographie est confisquée par l'État à la famille pour être nationalisée. Du coup, mon père travaille à la reconstruction de Varsovie. On lui demande d'adhérer au Parti communiste. Ça ne lui convient pas. Il cherche à quitter le pays. Il a un oncle en France qui l'invite pour faire des études commerciales. Ma mère, elle, travaille à la compagnie aérienne scandinave SAS qui nous permet de temps en temps d'avoir des choses à manger qu'on ne trouve pas en Pologne. Nous rejoignons mon père à Paris un an plus tard, au début de 1961. C'est la guerre froide. Les enfants de la maternelle, sur le bord de Paris, portent lanières, me jettent des pierres. Je porte un petit cartable polonais euh, avec des lanières sur le dos, ça n'existait pas encore en France. J'apprends vite le français. Quand commence le mouvement de mai 68, qui paralyse les institutions, je suis inscrite en sixième, dans un lycée en préfabriqué, d'Épinay-sur-Seine, au nord de Paris. Des professeurs militants nous donnent des leçons de marxisme. Mon père vient de sortir d'un coma de dix jours, après un accident de voiture. Il me dit de me méfier de ce qu'on me dit, sa peur du communisme. Je ne suis pas convaincue par ses critiques. L'ébullition joyeuse qui règne dans mon lycée de la cité d'Ormesson me séduit. Nous déménageons au bord de la forêt Montmorency. Là, une formidable professeure de français nous fait jouer un spectacle sur la commune. Les élèves là sont souvent en grève et partent en train en manif à Paris. Je vais avec eux. À 13 ans, une jeune conseillère d'organisation se présente, quand j'ai 13 ans, une jeune conseillère d'orientation se présente comme situationniste. Au moment de notre petite euh, interview pour savoir ce que je vais faire plus tard, je ne sais pas encore. Elle me donne des journaux révolutionnaires. Je suis très impressionnée. Quand je rentre à la maison et que je les étale dans ma chambre, ma mère est paralysée. Je retourne en Pologne avec ma grand-mère en vacances à 16 ans. Je ne me sens pas vraiment française ni polonaise, pas vraiment juive et pas vraiment catholique. Mais j'aime bien l'ambiance des églises et des rituels. De retour en France, j'en parle à un aumônier qui me dit mais vous n'êtes pas du tout catholique. Je me pose beaucoup de questions, je décide qu'il doit avoir raison et je cherche des choses du côté de la spiritualité. Je rate mon passage en première. Mes parents m'inscrivent dans un lycée privé de l'ordre mariste. On nous fait lire Théard de Chardin. J'aime sa théorie cosmique de la novosphère. D'ailleurs, ici en France, des années plus tard, le premier euh, réseau euh, internet euh, et téléphonie à distance, tout ça, sera appelé nous. Je fais quelques voyages au LSD. Toujours dans ma quête. Euh, de perception. J'écris un scénario de film expérimental avec cet autre élève de Terminal. Nous tournons en noir et blanc. Le film s'appelle Angoisse. On peut le voir sur ma page Vimeo. Notre prof de philo accepte d'y jouer la séquence finale à laquelle on l'invite. Il joue le rôle du fou, entièrement entouré de bandelettes blanches dont il essaye de se dépêtrer. Alors que le film, lui, parle d'une sorte de procession qui vient dans une carrière apporter des offrandes correspondant à un objet qui illustre l'angoisse de chacun. Moi, c'est un cadre vide. Et euh, on, on l'offre à une chaise vide en haut d'une petite colline. Le pouvoir me posait déjà question. Après une passionnante traversée de l'histoire de la philosophie, ce prof de philo tout jeune nous avait fait lire lanti de Deleuze Guattari qui venait de sortir. Après mon bac en 1974, je pars avec une amie aux USA à l'université Santa Cruz suivre une session d'été de Women's Studies. On ne disait pas encore Gender Studies et c'était une réflexion donc sur les rapports de genre en fait. Là en Californie, j'assiste à un festival nudiste qui est réservé aux femmes. Les expérimentations californiennes me réjouissent. Pourquoi l'ethnologie Eh bien, c'est un entretien radio avec Chambard de Love qui m'avait donné envie de faire de l'ethnologie. Pour la première fois, j'entendais ce mot, j'avais 16 ans. J'hésite un peu après mon bac à faire du cinéma d'animation ou des études. Mes profs me poussent à faire des études, y compris d'ailleurs euh, des cinéastes d'animation qui me disent que je pourrais toujours faire des, des films après. Je m'inscris dans la toute récente université de Paris 7, à Jussieu. Les enseignements euh, sont très critiques de l'idéologie du développement imposée aux pays colonisés. On est en 1974, donc, ça fait pas très très longtemps, en fait, que la France, entre guillemets, a accordé l'indépendance à des pays qui se battaient pour ça depuis longtemps. Mais elle n'a pas décolonisé tous ces territoires, même jusqu'à aujourd'hui. On en reparlera. Au département d'ethnologie qui a été créé par Robert Jolin, qui à l'époque faisait partie du laboratoire d'anthropologie sociale où je travaille depuis plus de 30 ans maintenant. Mais euh, il avait eu un petit différent avec les strauss et donc euh, voilà, il s'était autonomisé et avait créé ce département à Paris 7. Là, on dénonce l'ethnocide. C'est un concept qui a été repris à Georges Condominas, qui nous enseigne la responsabilité des recherches en ethnologie. En effet, sa magnifique ethnographie sur le Vietnam, Nous avons mangé la forêt et d'autres travaux, bien sûr a servi malgré lui à l'État français dans la guerre d'Indochine. Le département accueille des Amérindiens des plaines, qui parlent de leur lutte et dénoncent l'ethnocentrisme des recherches en ethnologie. En 1975, je pars au Mali. J'enchaîne au Niger et j'arrive à Cotonou où les enfants crient ⁇ Camarades, la révolution a chassé la plupart des Européens de la ville et les Béninois font la fête dans les hôtels désertés. ⁇ moi, je suis très, très malade parce que j'ai été complètement euh, mangée par des moustiques euh, en, traversant, en longeant euh, le Niger euh, du Mali euh, jusqu'à Niamey. Et donc, ça s'est infecté. Et il y a un vieux monsieur à la retraite, un, an, un Tchèque, qui a passé toute sa vie en Afrique, euh, qui n'a pas été prié de partir, et donc qui m'accueille. Chez lui, et grâce à ça, j'ai survécu parce que c'était ce qu'en Afrique on appelait le crocro. -cro et les, les piqûres de moustiques se creusent, infectent le sang, et j'aurais pu ne pas être là. Je reste dix jours dans, dans une chambre à l'air conditionné, et je reprends mon voyage. Alors, après le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, je rentre à Paris toujours très malade. Hépatite et paludisme. Je passe cinq semaines à l'Institut Pasteur. Le médecin me recommande de ne pas travailler en Afrique et de trouver un milieu sans moustiques. Pour mon mémoire de DEA, trois ans plus tard, j'analyserai un rituel de transe dont je fus témoin au village lacustre de Ganvier au Bénin. À l'université de Paris 7, je suis les cours de Jean Monod, qui nous parle avec passion d'Amazonie, mais aussi de poésie et finira par quitter son poste pour aller vivre dans les Cévennes, dans ce mouvement des gens qui se réinstallent, et restera dix ans sans électricité à peindre et à écrire. Le philosophe Jean Toussaint de Santy nous initie à l'usage des mathématiques en anthropologie. Roselyne Lénart analyse les travaux de son père, qui était missionnaire, avec les Canaques, en Nouvelle-Calédonie. Jean Arlot, réalisateur, anime le séminaire « Les ethnologues par eux-mêmes », où intervient Roberta Amaillon sur ses travaux en Sibérie. Je m'inscris en maîtrise avec Michel de Certeau, qui enseigne là, pour un mémoire sur l'anthropologie des cinq sens que je termine en 1976. J'ai traversé toutes les cultures en bibliothèque avec cette question des cinq sens, en cherchant un sixième sens ou autre chose encore, et c'est ainsi que je découvre les aborigènes. À Paris, c'est une incroyable ébullition intellectuelle. Les séminaires de toutes les institutions sont ouverts aux auditeurs libres et abondent à Paris. Nous courons du Collège de France à la Sorbonne. Lacan attire une foule qui se masse dans les couloirs devant l'ampli. Devant l'ampli. Devant l'amphi et ses amplis. Des expérimentations font exploser tous les arts, le théâtre et la musique. Ça discute jour et nuit. Je m'inscris en maîtrise de cinéma, option philo, à l'université expérimentale Paris 8 à Vincennes, qui attire tous les penseurs des années 70. Donc, l'université qui a été créée juste après 68, dans les bois, au milieu des bois, à l'ouest de Paris, et qui durera dix ans. Là, se joue la critique de la représentation en philosophie et en psychanalyse, et en histoire, et dans toutes les disciplines. Émerge ici aussi le mouvement de libération des femmes, qui critique la domination et questionne la féminité. Par exemple avec sous et le groupe Psychépo pour politique, Psycho, psyché, psychanalyse et politique. Ce groupe, qui est devenu ensuite autour de Antoine Foulk, les éditions des femmes, qui publient beaucoup de livres de femmes et pas seulement. Je fais des films expérimentaux en 16 mm. Avec une petite caméra mécanique qu'on remonte à la manivelle et des pellicules à l'intérieur de 3 minutes maximum, une séquence ne peut pas faire plus de 30 secondes. Mais moi, je n'ai même pas besoin des 30 secondes puisque je filme image par image. C'est-à-dire, il y a 24 images fixes pour faire une euh, seconde de film. Et donc je choisis des décors différents, des cadrages différents, toutes les 3-4 images en fait. Ce qui provoque des effets de superposition, de battements lumineux, c'est un courant qui existe depuis que le cinéma existe, euh, qui a été beaucoup expérimenté. Et dans ces années 70, il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui réinvestissent euh, ces techniques. Et donc, particulièrement, euh, Claudine Zickmann, qui nous a quittés euh, il n'y a pas longtemps, et euh, son compagnon Guy Fiman, qui font un cours à Paris 8 de cinéma expérimental, qui ont créé une coopérative, qui, qui s'appelle euh, la Paris Film Coop, qui sont en lien avec les mêmes coopératives de cinéma indépendant et expérimental à New York, à Sydney, à Londres. Et donc, je fais ma maîtrise avec Claudine Zickmann. Pendant mes études à Vincennes, je filme une fête de cette façon-là, image par image, sur le campus de Vincennes, avec des centaines de femmes qui font un grand feu et qui dansent. J'y invite ma mère, ma sœur, une tante polonaise de passage. C'était extraordinaire. À l'époque, personne n'osait critiquer comme maintenant les réunions en non mixité. Alors, je reviens à l'ethnologie. Tout ça se passe en même temps. À la première édition du festival de films du réel à Beaubourg, au centre Pompidou, c'était en 1978, je rencontre un activiste qui sert d'interprète à un film sur les aborigènes du Nord-Ouest, qui me parle des luttes pour la terre des aborigènes et me met en contact avec des militants qui dénoncent les mines de bauxite de Rio Tinto au Queensland. Je vais à Londres pour les rencontrer. Le leader s'avère être une activiste trans qui me donne des contacts d'une organisation aborigène à qui j'écris, le Central Land Council, le conseil des terres centrales d'Australie, qui a été créé deux, trois ans avant pour faire des revendications territoriales. Le conseil me répond, à l'époque il n'y avait pas d'internet, avec une lettre et m'invite à faire un séjour pour ma thèse dans une communauté Walpiri, un peuple qui vient de gagner une revendication territoriale. C'est la première en Australie. Selon la loi du Northern Territory Lands Right Act de 1976, il y a eu deux années de, de procès. On me recommande de m'inscrire en thèse avec Maurice Godelier, qui enseigne à l'EHESS. Je le fais, je vais suivre ses cours à l'EHESS, mais j'ai demandé à ce qu'il me dirige pour un doctorat de Paris 7, parce que je reste fidèle à l'expérimentation anti-ethnocide et tout ce qui se passait dans ce département créé par Robert Jolin. Maurice Godelier, à l'époque, est aussi au laboratoire d'anthropologie sociale. Il me met en relation avec deux anthropologues féministes australiennes, Annette Hamilton et Margaret Jolie. Annette travaille dans le désert de l'Ouest et Margaret Jolie euh, travaille. Euh, avec des populations euh, mélanésiennes. Il invite à son séminaire l'américaine Annette Weiner, anthropologue, dont le concept de possession inaliénable, du keeping while giving, qu'on peut traduire en français par garder en donnant, ou comme j'ai proposé, donner sans perdre, sur la valeur produite par les femmes des îles Trobriand avec qui elle a travaillé, et cette... Proposition de valoriser ce que font les femmes par des objets qui circulent entre les hommes dans le groupe et au-delà des groupes. Dans son livre Inalienable Possession, elle fera une enquête systématique à travers le Pacifique. Eh bien, cela va m'inspirer pour un des chapitres de ma thèse de troisième cycle. Pendant la rédaction de cette thèse, je critique la théorie de Godelier sur la domination universelle des femmes, qui ne semble pas démontrée par les aborigènes. Et je défends aussi la force subversive des peuples indigènes face à l'État. Comme Maurice Godelier est marxiste, même encore au Parti communiste à l'époque, euh, il n'est pas très en accord avec cette vision euh, politique des minorités et des peuples autochtones vis-à-vis -vis des grands enjeux de l'État, des débats qui continuent aujourd'hui, euh, par exemple avec Frédéric Lordon. Alors. Qu'est-ce que je lis? Beaucoup, beaucoup de choses. À l'université de Vincennes, Paris 8, j'ai suivi en 1978 les cours de Deleuze. Ma thèse en ethnologie, soutenue en 1981, fut passée deux ans plus tard à Guattari, qui m'appela enthousiasmée par le travail du rêve collectif des aborigènes et leurs pistes géographiques. On est devenus très amis. Nos entretiens, enregistrés à son séminaire en 1983 et 1985 seront publiés dans le premier Chimère qui sera en 87. C'est la revue créée par Deleuze et Guattari. Bon, j'ai ma thèse, j'ai passé deux concours du CNRS sans succès, et voilà que j'apprends par le ministère de la Culture que euh, pour la première fois vont être financées et promues des recherches en ethnologie urbaine. Je me dis bon, on va essayer. J'adore Paris. Comme je ne peux repartir en Australie, je réponds donc à l'appel d'offres de 1982 en constituant une petite équipe. Je rencontre un doctorant en sociologie, Jean-François Mattei, qui, qui lui fait une thèse sur les médias, qui a l'expérience des descentes clandestines dans les réseaux des anciennes carrières de Paris avec ses frères et même son père. Nous mobilisons un doctorant en histoire, Marc Viré. Et une complice du film Angoisse qu'on avait tourné ensemble au lycée, Yolaine Carrère, étudiante en ethnologie comme moi, qui revient juste du Pérou. Elle travaille depuis avec Logistie, l'association de défense juridique des migrants. Financée pendant un an, notre enquête sera publiée en 1983 aux éditions des Méridiens, dans une collection qui a été créée par Michel Maffezoli, le sociologue qui, à l'époque, est très intéressé par notre travail parce qu'il veut valoriser l'organisation sociale chez nous, ici en France, comme une approche tribale des mouvements sociaux. Le livre est préfacé par Félix Guattari sous le titre La cité des cataphiles. Voilà. Mission anthropologique dans les souterrains de Paris. Le livre La cité des cataphiles est épuisé assez vite, mais il va devenir culte, sera photocopié et il ressortira en 2008 car une association de, de cataphiles euh, qui euh, cherche à patrimonialiser notamment les carrières et donc euh, descend très souvent pour nettoyer. Euh, les graffitis, euh, d'autres euh, amateurs de carrière qui, eux, font la fête euh, dessous, et aussi restaurent des, des travaux magnifiques euh, des anciens carriers. Et donc cette association qui s'appelle Les Anciennes Carrières de Paris, ACP, publie toute une série de livres sur euh, les souterrains et me propose de rééditer le livre, mais avec en plus une annexe de 60 pages qui correspond à un des rapports que nous avions fait pour le ministère de, du patrimoine ethnologique. Euh, fin, pour la section patrimoine et technologique du ministère de la Culture, une typologie dynamique des cataphiles. En fait, il s'agit d'une adaptation, d'une théorie du philosophe euh, Stéphane Lupasco, qui inspirait le travail de Jean-François Matodi pour, pour son analyse des médias, de ce que Lupasco a appelé la logique du contradictoire ou encore euh, la logique du tiers inclus. C'est-à-dire qu'on n'oppose pas. Euh, le blanc et le noir, euh, le haut et le bas, mais on essaye de penser euh, les choses euh, en incluant euh, ce qui n'est pas euh, inclus quand on fait du tiers exclu. Et donc euh, ces diagrammes vont, faire, euh, vont susciter beaucoup de commentaires dans, dans, dans le milieu euh, cataphile. Au cours des années 2000, je serai très souvent sollicitée par des jeunes qui descendent de, toujours dans les cataphiles, et notamment de plus en plus de jeunes femmes. Et un jour, une jeune cataphile, Roxane Perrazzo, demande à s'inscrire en thèse avec moi. Son travail sera extraordinaire. Elle montre les transformations dans la fréquentation des anciens de carrière, donc au XXIe siècle. Une partie de sa thèse magnifique est publiée en 2020 sous le titre « Cataphile, anthropologie souterraine dans les carrières de Paris, chez le même éditeur ACP des anciennes carrières de Paris. J'ai préfacé ce livre avec bonheur. D'une certaine façon, l'évolution de cette pratique confirme mon hypothèse du début des années 80. Il faut chercher dans les dessous de la Terre la mémoire, à la fois sophage et culturelle de la surface, pour y trouver des pistes qui nourrissent l'histoire et l'imaginaire, en l'occurrence de la ville de Paris. Je cherche de telles traces depuis que j'ai appris à sentir la mémoire des lieux avec les aborigènes du désert.